Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Ici, c'est 0. Ici, c'est 1. Là, c'est 2. 4, c'est 8. 16, 32, 64 et 128. Et sur le tableau, choisir un modèle de tableau. Là, je cherche 0. Je ne cherche pas 128. Donc, c'est 0 qui va en dessous. Je cherche ni 64, c'est 0, ni 32, 0. Ici, 0 parce que je cherche 0. Pas vrai? Ici, j'ai 0 en binaire. 0 en décimal par là. Et là, c'est la conversion en binaire. Comme je vous ai dit, lorsque vous ne cherchez pas un nombre ou un chiffre, vous mettez 0 en dessous. Là, on est dans ce petit tableau-là. Ici, on ne cherche pas 128, c'est 1 qu'on cherche. Donc, 0 parce qu'on ne cherche pas 128. Ici, 64 non plus. Et 32 non plus. Ici non plus. Ici non plus. Ici non plus. Ici non plus. Et par contre, là, vu que c'est 1 qu'on veut écrire en binaire, eh bien, c'est ceci. Dans ce tutoriel, nous allons revisiter le code binaire ensemble. Je vais vous montrer pour comprendre un petit tableau des 8 cases qui vous permettra de bien écrire le binaire. Dans le cadre